Eh bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Hogwarts Legacy. Nous revoici en train d'aller actuellement vers la forêt interdite. Je sais pas pourquoi je mets des trous entre mes phrases comme si c'était suspense et tout, alors que c'est, enfin, si vous passez d'un épisode à l'autre, c'est littéralement ce que je viens de dire il y a 5 secondes pour vous. Enfin, si vous regardez les épisodes en direct, si vous regardez les épisodes en direct, enfin en direct, quand je les poste, c'est que vraiment, vous avez la foi, hein. Du coup, merci. On va peut-être y aller par Cette la cheminée, guide hein. Cette sorcier est bien pratique. Je suis ravie oui, de voir Oui, bien sûr. On va y aller par la cheminée parce que flemme. Carte du monde, est-ce qu'on peut y aller? Genre, ouais, hein. Forêt interdite, prennent l'entrée de la forêt interdite. Ouais, vas-y, on va y aller comme ça. Je pense que ça ira beaucoup plus vite. Non pas que je n'aime pas marcher, mais... J'ai envie de voir la suite de l'histoire. On avait, je crois, aussi une quête secondaire à faire dans le coin, mais... Oui, c'est vrai, c'est les jonquilles. Elles me détruisent. Elles me détruisent, ces jonquilles. On peut pas les ramasser? Non, elles sont vraiment juste là pour... Elles sont incroyables. Ah oui, donc faut vraiment rentrer dans la forêt interdite. Même les jonquilles les ont fermées. Tellement c'est glauque. Mais attends, mais on va se faire attaquer par un truc, là, 100%. Allez. Voyons voir. Nous voici donc dans la forêt interdite. Oh là là. Bah écoutez, dans la forêt interdite, il y a les mêmes champignons, hein, on les prend. On les prend. Puis en soi, on voit les ennemis sur la minimap, donc on se fait un petit peu spoil d'avance. Là, je vois qu'il y a un truc par là-bas, dans la flotte visiblement, mais... Après, il... Fais voir. Oh, je sais plus comment me battre, par contre. Y a rien ? Y'a rien là. Ah si, y'a ça. Ah ouais. Alors, comment on joue déjà? Comment on joue? Protego évidemment. Et non, ça c'est Lumos. Ah, toujours, à chaque fois, hein. À chaque fois. Je sais plus comment j'avais mis. Ah voilà, c'était ça. Par contre, y'a un cercle jaune, je sais pas ce que c'est. J'imagine que c'est pour faire ça. Ah oui, quand même, il en a de la vie. Oups là! Enchaînement. Magnifique. Voilà. Ouh! Par contre, je suis en train d'aller plus proche de lui, c'est pas la meilleure des idées. Hop là! Oh, c'est une attaque chelou en fait qu'il a. Waouh, waouh, waouh. Il est encore là. Waouh, waouh! Oh my god! J'aurais pas dû attaquer ça. Hein. Attaquer ça. Eh, je sais pas parler, hein. Par contre, il me donne des trucs. C'est une espèce de sangsue bizarre. Ouais, c'était l'histoire de m'y remettre. J'avoue, j'ai pas lancé le jeu depuis quelques jours, my god. Au final, je me suis retrouvée... j'oscille entre... oh mon dieu, j'ai envie de record 3 épisodes à la suite. Avec, oh mon dieu, j'ai plein de choses à faire. Du coup, je ne peux pas. Et bref, donc là, ça fait quelques jours, donc bref, roulade et Protego. Voilà, c'est juste ces trucs-là à chaque fois que j'oublie. Je ne pensais pas que les Inferi étaient si puissants. Ils ont l'air si décharnés. Des cerfs là-bas. J'ai moi-même créé quelques Inferi. L'idée de ranimer un cadavre n'a pas l'air de te faire grand-chose. Ok, très bien. Une grosse ambiance par ici, à ce que je vois. Bon, on va éviter d'attaquer les trucs, hein, à ce que je vois. Bonjour. Ah, faut considérer comme un ennemi ça. Non parce que là on en a pour 1000 ans. On en a pour 1000 ans, c'est quoi ça? Ah oui, la kleptomanie, hein, toujours. Hein. Bon après là c'est vraiment sur une charrette dans la forêt interdite donc on a le droit. Hein. Alors, notre brave, il est censé être ici. Comment il s'appelait déjà? Richard. Notre ami Richard. Me voilà, comme je l'avais promis. Excusez-moi, je buvais de la ici en mode va y avoir une cinématique. En fait, pas du tout. Oui. Ok, elle est maintenant vous la cinématique. Revoilà, Richard Chouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un cerf d'aigle ferait tant de chemin en quête de savoir. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseaux. Lorsque vous l'aurez découvert, dites intramuros. Je crois que c'est du latin. Ou du grec.
Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. Et il s'en vante en plus. Il s'en vante. Faut être un peu maso, effectivement, pour retourner sur le lieu de sa mort. À part le bain d'oiseaux, y a-t-il d'autres choses auxquelles je dois faire attention ? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Bon, bah le pont en pierre, cela ok. Cela m'aide beaucoup. Merci. Donc on est vraiment en train de s'engouffrer dans la forêt interdite, là. Il y a des bruits chelous et tout. Moi, je le sens moyen. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Bah écoutez, je vais prendre un téléphone. Ah, oui. D'accord, très bien. Pardon. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseaux. Adieu. Ou au revoir. Je vous le souhaite. Ok. J'allais dire... je me faisais trop éloigner du chemin, mais en fait, il faut aller par là tout seul. Génial. Nanana, dangerous. T'as vraiment des panneaux avec des crânes et tout, en mode danger de mort et tout. Et nous, on y va, hein, vraiment comme des idiots. Je n'ai plus le choix, je dois continuer. Le choix, t'as totalement le choix. On peut faire demi-tour à n'importe quel moment. Tiens, des champignons. Toujours plus, hein. Toujours plus de champignons. Ok. Bien, Ok, il y a des poules dans la forêt interdite. Oh, il y a des centaures aussi. Un peu varié, hein, les poules, les centaures, tout ça. Non, mais toujours plus de panneaux, les gars. Vraiment, toujours plus. On a compris. Danger, dangerous, machin, par là, dangerous et tout. Eh ben, écoutez, on va y aller, hein. On va y aller. Voilà la cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Il se passe quoi, là? Quoi, la musique, elle s'emballe? Pour rien. De l'argent. Des sangsues. Très varié, hein, sont... D'accord. Il y a un truc dans la flotte. Est-ce qu'on y va? C'est vraiment la pire idée, hein. Mais la pire idée, jamais je ferai ça dans la vraie vie, hein. Mais bon. Là, il y a un truc dans l'eau, tant qu'à faire. Et là, hop, on remonte jamais. Bouffé par un requin. Non, pas du tout. Pas du tout, on récupère encore des fringues de personnes qui sont mortes, ça je trouve ça vraiment extrêmement glauque. Mais bon, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Alors, nous voici donc. Ouais, toujours les cerfs, les biches, jusque là tout va bien. Et des petites patounes sur la map. C'est quoi les petites patounes? Collection mise à jour. Oh, bichette! Mais t'es... Mais... Viens ici. Viens ici. Venez. Mais je... J'ai pas envie de vous attaquer. Boursouf femelle. Boursouf femelle. Bah oui, viens avec moi. Qu'est-ce que... J'imagine que c'est pour plus tard. C'est pour plus tard, c'est pour plus tard. Ou alors j'ai loupé une quête secondaire. J'aurais loupé un truc. Mais moi je le... Bonjour, vous êtes sympa, vous êtes sympa. Venez de contourner. Heureusement qu'il y a le truc qui nous aide, hein, parce que moi, j'ai déjà oublié c'était quoi le troisième truc. Il a dit grotte, cascade... Non, pont en pierre. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. C'est pas... Non. Je sais qu'il y a 8 milliards de lacs, hein. C'est pas le lac, le fameux lac où Harry a fait son patronus, tout ça, machin. Je dis ça parce qu'il y a des cerfs, il y a des... C'est pas là. On dirait trop, je sais pas trop, ce lac. On peut voir de loin l'autre côté et tout. Enfin, littéralement juste un lac, hein, Marie, mais... Vous voyez ce que je veux dire? On dirait celui-ci. Bref. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Chuchoter le mot de passe. Oh, j'ai déjà oublié. C'est quoi déjà? C'est un truc genre... C'est du latin? Intramuros. Oui, oui, intramuros. Oui, je le savais. Ok. On va vraiment rentrer là. Bon, on va vraiment rentrer. Wouh, 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 bonjour, ils m'ont fait trop peur. Ils m'ont fait trop peur. Wouh, wouh, wouh. Ok. Expelliarmus. J'ai dit. Expelliarmus. Oui, oui, oui.
Oui. Oh my god, il y a des zooms sur leur visage. Ok. Hop. Hop là. Ok. Expelliarmus. Non, pas sur toi. Surtout... J'ai dit expelliarmus. Ah mais non, je peux pas le faire. Ok, je peux le refaire maintenant. Expelliarmus. Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrok maintenant. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. Je suis à peu près bien sorti, hein. J'aime trop les combats dans ce jeu. Pour l'instant, je suis vraiment fébrile, hein. Mais je sais pas pourquoi ça me fait aussi peur. Genre, c'est juste des gobelins, mais je sais pas, ils sont apparus trop soudainement. Alors, allez, ce tombeau sera... Non, je vais pas faire la blague. Oh, trop stylé. Les illustrations sont vraiment trop belles. Vraiment trop belle. Alors, ok. Je me demande si c'est grand. Normalement, c'est un tombeau, donc c'est pas si grand, non? C'est pas ça. D'accord. Je crois que j'en avais déjà vu. Ok. Il y a des chauves-souris. Histoire de dire que c'est gros. Ça, on prend. Ah oui. Bah, c'était ça le... Illustration. Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé. Ces runes ont un rapport avec l'ouverture de la porte. Ah oui, pardon. Les runes. Du feu. On dirait un symbole de feu. Incendio. Ça. Hein. Je peux tirer sur le symbole, mais il ne reste pas allumé très longtemps. Comment ça, il reste pas allumé très longtemps ? Faudra le faire 3 fois. Attends. 1, 2 et 3. Je dois allumer le 3 avant la fin du temps imparti. C'était ça, hein? Tout simplement? Ouais, tout simplement. Impressionnant. Tout doit mener à cet endroit. C'est vraiment beaucoup trop stylé, hein. J'adore. Par contre, comment je... Ah bah oui. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. La porte est ouverte. Marie, vraiment, les choses simples. Les choses simples. De l'argent, et ça. Ok, du feu, je pensais juste de la déco. Je me demande si mes sorts pourraient m'aider à passer. Bah oui. Kill it with fire, hein. Dans le doute, ça se brûle, hein. Très bon conseil dans la vie d'ailleurs. Dans le doute, ça se brûle. Oui. Bonjour. Vous êtes beaucoup. Ok. Ok. Vers ça. Excellent! On dirait vraiment du... Merde. On dirait du... Street Fighter. Genre, je sais pas si c'est Street Fighter, les trucs où il y a les kill combos, là... les trucs où ça dit finisher ou... Je sais plus, je... Je confonds. Mais genre, il y a plein de finishers différents, en fait, j'ai l'impression. Genre là, d'où on l'a rétréci et tout, c'est trop drôle. Il m'en faut peu, hein. Encore une fois, désolé aux arachnophobes, hein, vraiment. Il y a 2 chemins, là. J'aime pas quand il y a... Bonjour! Vraiment désolé aux arachnophobes, hein. Moi, j'en ai absolument rien à faire, mais... La oh là là. Question de toucher à ça. Oh. Ok, bah, let's go, hein. Hop! Hop! Ok. Vous êtes beaucoup? Elles sont... Beaucoup! Ok. My god! Les gars, vous êtes beaucoup! My god! Ok.
Waouh. J'imagine que c'est des combats normaux, on va commencer doucement à avoir des combats normaux dans le jeu, mais là j'avais l'impression qu'il y en avait 18 000. 18 000. Oh, un coffre. Bonjour. S'il y a une serrure de niveau de la vie de moi. Ah non, il n'y a rien. Écharpe ample avec emblème de maison. Magnifique. On va la mettre. Je peux la mettre? Non. Équipement. Parce que bon, quand même, au bout d'un moment, il va falloir... Ah oui, oui, oui. Effectivement. Ah, elle est belle en plus. Cap et tenue. Ça, on s'en fout. Ouais, on garde ça. Et j'ai un petit flow, hein. J'ai un petit flow comme ça. Ok. Alors. On a battu les araignées. Ah, mais je peux comprendre que les arachnophobes n'étaient pas très fans de ce jeu. Après, j'ai rigolé dans l'épisode. Je sais pas si c'était l'épisode d'avant où j'ai dit moi, j'aimerais bien que ce soit des papillons, mais j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai qu'il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit alors oui, mais moi j'ai la phobie des papillons. Et c'est vrai que du coup, bah ce serait chiant pour ce jeu, pour ces personnes-là. Ça avait un nom, mais je ne me souviens plus du nom de la phobie. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. C'est une... Cette plateforme devrait pouvoir flotter jusqu'à moi. Ah, pas bête. Par contre, voilà, c'est une énigme. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Je vois le genre de l'énigme. Ok. Donc là, je peux sauter dessus. Et me ramener là-bas. Ah, je pensais que ça allait être plus compliqué comme énigme sans vouloir faire la meuf qui se vante. Oui, de l'argent. Oui, un coffre. Oui. Un coffre intact. Richard Chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. J'avoue. Et bah, de retour à l'équipement. Ça fait une petite pause à chaque fois quand même d'équiper, mais ah. Et bah, je peux pas le mettre. Retour au jeu. Désolé, on peut l'équiper dans un niveau. En vrai, ça va. Est-ce que je peux descendre comme ça, on s'en tape, hein? C'est pas de l'eau qui... Non, c'est juste de l'eau qui mouille. Tout va bien. Il y avait quelque chose là-bas? Ça, c'est vraiment, c'est terrible, un niveau exploration. Moi, je suis... Wow, 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 wow! Seigneur, Saint-Dieu, Marie-Joseph! Faut pas me faire ça, moi! Non, non, non! Non, 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 ça, non, ça avant d'arriver. J'ai brûlé le coffre. J'ai brûlé le coffre. Il y en a une autre. Il y en a une autre. Oh là 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 là. Moi je m'en fiche, hein. Araignée papillon, juste annoncez-vous avant d'arriver. Vous faites pas ça là, ça suffit. C'était quoi ça? Ça m'en fait trop peur. Oh my. Pas de squelette sans tête en vue. Mais rien ne m'empêche de me servir ici. C'était juste des sous. Bon, c'est déjà pas mal. Ok. Je disais donc. Elles peuvent sortir de n'importe où en fait. Évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Je me suis perdue. Il y en a. Ouais, elles descendent là. Regardez-les. Regardez-les. Mais c'est toi. Hop. Hop là. Il y en a une autre. Oh. Si Richard Chouka l'a résolu, j'en suis tout à poussée. Ok. Eh bah. Encore un truc. Encore un truc, mais c'est encore la même chose. C'est Incendio, Into Incendio. Into Incendio. Le symbole suivant est sûrement caché dans les parages. Oui, oui, il est là-bas, mais je peux pas l'atteindre d'ici. Donc est-ce que Expelliarmus, ça marche? Parce que c'est considéré comme un sort rouge. Mais c'est pas du feu, quoi. Expelliarmus. Ça marche. Bonne. Remarquable. Beaucoup trop stylé, ces cinématiques. Beaucoup trop stylé. Bon, ça tombe bien, je préfère Expelliarmus à Incendio, parce que je vais attaquer de loin avec. Bon, est-ce qu'il y a des... Il y a des trucs qui vont tomber du ciel là. Il y a quoi là? Des sous? Toujours plus simple.
Il y a une qui va tomber. Ouais, évidemment. Non, là, c'est des petites, en vrai. Je pense que tant qu'il n'y a pas de petites flèches, c'est good, hein. Ouais, celles-là, elles sont petites. Enfin, elles sont petites. Elles font la taille de ma tête, mais bon. Elles sont considérées comme petites. Elles sont même plus grosses que ma tête. Seigneur. Ok, on peut pas passer par là. On va forcément passer par là. Ok, on peut pas passer par là non plus. De nouveau, la petite énigme avec les trucs, là. Heureusement que Richard Chouka n'est pas tombé là-dedans. J'ai pas envie de regarder là-dedans. Je vais regarder là-dedans. Non, ça va. Je m'attendais à pire. Attends. Pourquoi il y en a plus, là? Je piche pas. Pourquoi je peux pas juste tout simplement faire ça? Il y a un truc là-bas? Je pense qu'il faut d'abord aller là et puis après, on reviendra sur nos pas. Et bonjour mesdemoiselles, enchantée, évidemment. Ah bah, concentration là, elle est au maximum. Hein. Oui. Ah, je peux faire ça. Dommage que ça fasse pas un truc de zone. Hop! Hop! Magnifique! Et on s'en sort bien, hein! On commence à bien s'en sortir dans les... J'allais dire les duels, mais on fait pas trop des duels avec les araignées. Juste elles sont là et on est obligé. Ouais. Hop! C'est étrange. J'aurais cru que Richard Chouka se serait intéressé à ce butin, mais je ne vois aucune trace de lui. Mm-hmm. Mmh. Ok, hein, en tout cas, moi je prends tout. Par contre, je suis déjà perdue. Je sais pas où c'est. L'objectif est par là-bas, mais je crois qu'il y a plein de trucs. C'est quoi ça, par exemple? On était là tout à l'heure ou pas? Je sais plus. On était pas là tout à l'heure? Si? Non, hein. Ok, et là? D'accord. Ok, il y a un coffre là. Est-ce qu'il y a un coffre là aussi? Oui. Je peux sauter ici ou pas? Je sais pas, j'y crois moyen. Si, j'y crois. Ouais, c'est bon, largement. Ok, ok. Des sous, des trucs à vendre, pourquoi pas? Là, c'est loin ça. Non, pas du tout. Ok. Y'a rien qui nous tombe dessus. Il y avait un coffre entre les deux. Je sais pas si vous avez vu. Ok. Vous empêchez tout, machin truc. Nanana nanana. Ok, d'accord. Notre sac est plein. Vraiment, vraiment dans ce jeu. Bon, d'un côté, tu me diras où est-ce que je store tous ces vêtements. C'est vraiment une très bonne question, mais. Ça c'est chiant, va falloir qu'on les vende du coup au bout d'un moment. J'avais vu un coffre entre les deux. Donc là si je stoppe, ouais. Stop, 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 hop là. Magnifique. Je me réjouis que Richard Chouka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais où est-il? Vos emplacements d'équipement sont pleins, ça c'est pénible ça. Alors attendez, comment on fait? Équipement. Comment... Est-ce que je peux pas... Bon, ça, je peux mettre. Et... Non. Est-ce que je peux détruire? Ah, c'est chiant parce que ça coûte des sous. 150, 90... Bon, bah... J'ai pas trop le choix. Hein. Équipement 19 sur 20. Effectivement. J'ai pas des équipements vraiment nuls. Ah, hop. Ok. Des petits équipements comme ça, là. Hop. Ça, on peut enlever. Et ça, on peut enlever. On va faire vite fait, hein. Parce que bon, tant qu'à faire, si on peut les vendre, là, je perds vraiment des sous précieux et c'est... Tout ça pour un truc vert, quoi. Pas de squelette sans tête en vue.
Mais rien ne m'empêche de me servir ici. Ok. Je pense qu'on est pas mal. On est d'accord qu'il y avait rien d'autre, hein. Il y avait rien d'autre. Je regarde. Il y a des champignons et tout à ramasser. Je peux pas sauter ? Oui, c'est bon. Hop, hop, et hop. Voilà. Je me suis perdue. C'était par où ? L'objectif est par là-bas. L'objectif est par là-bas. Donc je descends. Voilà le pont. Il est presque terminé. Ah ! Encore des araignées ? C'est bon là, ça suffit ! Pour avoir décapité les Chaska. Les dios. Hop ! Hop là ! Voilà. What the... What the... Pardon, excusez-moi. Elle est sortie du sol. C'est vraiment ma phobie, les trucs qui sortent du sol. Faut pas me faire ça, moi. Faut pas... Ah. Bonjour, mesdemoiselles. Wow, 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 wow. Et doucement, là. Elle me pop dessus, ça suffit, là. Non, je vais utiliser le M pour les grandes. Pas pour les petites. Wow, wow, wow. Potion. Ah mince, je crois que j'en ai pris 3. J'en ai pris 3. Ah, d'accord, je peux pas faire les... Elles sont sérieuses par contre à sortir du sol là. Je peux rien faire. Hein. Waouh. Mais attends, mais... Je peux rien faire, s'il te plaît. Elle sort du sol, celle-là. Elle sort du sol, c'est bon, je l'ai vue. Il y en a plein qui sortent du sol. Attends. Celle-là, je la tue en normal et là. Waouh! Wow, wow, wow. Ok, elle est morte. Celle-là, elle sort du sol. Ok, et là. Voilà. Ok. Mais il y en a plein! C'est un mini-boss là, c'est pas possible. J'aurais dû faire ça avec la grande. Est-ce qu'elle a pris des dégâts collatéraux? Pas du tout. Je crois que j'en ai encore utilisé 10 000. Par réflexe d'appuyer 10 fois sur mes touches, mais j'ai entendu beaucoup trop de fois. Oui. Comment ça se fait? Je... Est-ce qu'il y a une source ou un truc comme ça? Non mais elle sort du sol et tout. Non mais c'est bon là, ça se tient. Plus d'araignées. Plus. C'est bon? Non. Non. Au revoir, monstre. J'imagine que ces araignées se sont multipliées depuis le passage de Richard Shuka. Eh bah là, il y a eu des mauvaises prises de décision de ma part, là. Je pense que les grosses, il fallait vraiment juste que je mette les gros pouvoirs anciens dessus, là. J'ai pas réussi. J'ai fait un peu n'importe quoi. Au final, c'est passé, mais... My God. Alors, il y en a un là... Un là... ouais... Donc attends... Il y a ça... Il y a ça... Il y en a un autre? Non... Non attends, il y en a un autre? Il y en a un autre... Attendez... Je vais devoir trouver le symbole... Un, deux... Il y en a un là, ok... Ok... C'est étrange... J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais je ne vois aucune trace de lui. Là, je peux en avoir deux. Un, deux et trois. Waouh. Stylé. J'aime beaucoup.
Si on pouvait éviter les araignées maintenant qu'on est sur un pont, s'il vous plaît. Pas de trucs qui sortent de l'eau. Je ne dois plus être très loin du corps de Richard Chouka. Et de ses pages. Statues, ça? Ça m'a l'air d'être des statues. On se retrouve, Richard Chouka. Dommage. Ces éclats de bois sont sûrement tout ce qu'il reste de la baguette d'Ollivander. Je peux emporter les pages, au moins. Ah. Salut, Richard. La voilà. La carte qui a mené Chouka à sa perte. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce? Pourquoi ça vibre? Se défendre contre les défenseurs anciens. Bonjour! Enchanté. Ok. Ok. Pour l'instant, c'est plus simple que les araignées. Ok. Nice. Expelliarmus devrait suffire à désarmer ces brutes. Expelliarmus. Wouhou. Hop là. C'est vrai qu'il faudrait les désarmer idéalement à chaque fois. Expelliarmus. Ok. Ah là là, il y a les trois grands. 100% les trois grands. Un par un, pitié. Un par un, les gars. Un par un, nice. Expelliarmus. Ok, il a l'air de... Oh yes. Quand il a plus son arme, c'est plus simple. Après, Attends, il a presque plus de vie, j'ai pas envie de... Ouais, voilà. Regardez pour les autres, hein. Oh, ils sont deux. Non. Oh. Excellent. Les vaisseaux n'est pas passé. Hop. Et les araignées, c'était plus dur. Hein. Hop, je vois la zone. Les vaisseaux, ça marche pas. On avait vraiment que Expelliarmus. Hein. Nice. Nice. Ok. Oh. C'est très bizarre. Que se passe-t-il? Ouh. Qu'est-ce qu'il y a par ici? J'ai déjà vu ça. À Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque. Ouh. Ok. On me parle? On me dit d'aller dans la porte, hein? Ouais. Y'a quoi, là? Où suis-je? Très bonne question, ça encore. Bonjour. Oh non. La salle est en train d'être inondée. Oh, ma pire phobie. Oh, si ça se referme. Qu'est-ce qui me protège? Quelle sorte de magie est-ce donc? Oh, mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar. Je peux encore avancer? Oh, c'est vraiment un des trucs qui me traumatise le plus. Ça, et puis genre être dans une pièce enfermée où d'un coup les murs se protègent jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. Ouais, bah ouais, hein. Quel okay. est cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. C'est de la flotte, ça? Non. What? Serait-ce possible? Intéressant. Le monsieur de la cinématique. Bonjour. C'est vous? La salle de la carte a enfin été découverte?
Je vous ai déjà vu dans une pancine. Vous êtes le professeur Rackham. Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge qu'Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entrée à Poudlard. Vous avez bien suivi, et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne ? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. D'accord. Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte ? Tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Les statues et les sculptures dans la maison sur la falaise, elles sont à votre effigie. Vous êtes voyant ? Tout à fait. Comment saviez-vous que je serais là ? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mis à part que votre présence ne me surprend pas. Tu viens de dire que t'étais surpris de voir une fille aussi jeune. Donc t'étais quand même un peu surpris, mais soit. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Votre lien avec la magie ancienne vous a permis de débloquer des talents. Vous recevez un point de talent chaque fois que votre niveau de sorcellerie augmentera. Vous avez de nouveaux points de talent dépensés. Mais non, excellent ! Dès le niveau 5, vous pouvez dépenser ces points de talent comme vous le souhaitez pour améliorer votre sortilège et augmenter votre puissance de combat. Les points de talent ne peuvent être dépensés qu'une seule fois. Le nombre de talents acquis est donc limité. Ah ! Mais j'imagine que quand t'arrives au niveau 100, tu peux tout enlever, hein ? On est d'accord ? Sort, magie noire, cœur, furtivité, celle sur demande. Attends, sort, y'a quoi par exemple ? Niveau 5. Incendio... Waouh, incroyable ! Ça crée un cercle de feu autour de vous. J'ai 9 points de talent. Les ennemis à proximité d'une cible affectée par Axios sont également attirés vers vous. Les ennemis machins de Levioso sont également projetés dans les airs, ça c'est trop bien ça. J'aimerais les 3. Magie noire ! Maléfice de désarmement. Expelliarmus a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des dégâts. Excellent. Stupéfix a le même effet. Attends, on n'a pas. Oui, si, qu'un maléfice. En affichant des dégâts à une cible maudite, les dégâts sont infligés à toutes les cibles maudites. Mais c'est insane. Mais attends, y a pas un truc que si jamais tu prends cette voie-là, tu deviens un connard littéralement et que t'as... Attends, what? Éliminer un ennemi avec Avada Kedavra, élimine Avada... Oh là là. Je sais pas si... Mais attends, tu vas débloquer tous ces trucs-là ou non? Alors, c'est quoi? Les impacts du lancer de base réduisent le temps de recharge des sorts, ça c'est pas mal. Les parades protégo réussies remplissent la jauge de magie ancienne. Les parades protégo parfaites. Comment ça y a des parades protégo parfaites? Ah, c'est quand le cercle se réduit, c'est quand il atteint pile l'autre cercle que c'est parfait? Je crois, hein. Le lancer de magie ancienne permet d'attraper et de lancer les armes des ennemis désarmés. Ok. Maintenir esquivé vous permet de disparaître rapidement et de réapparaître à proximité. Un nouvel... Attends, quoi ? Connaissance, un sortilège de... Un nouvel ensemble de sorts sera ajouté. Utilisez molette vers le haut, volet vers le bas pour... Ah ! Ça, c'est bien, ça. C'est ce que j'avais demandé. Ça, c'est cool. La potion vous guérit davantage, ça, c'est cool. Un nouvel ensemble de sorts sera ajouté. D'accord, trop bien, ça. Ok. Furtivité. Ouh. Ok. Vous permet de courir en utilisant... Vraiment pour les gens super furtifs, d'accord. Et ça, je sur demande, c'est quoi? La branche machin vous rend invulnérable. C'est vrai que j'utilise pas du tout les potions.
pour chaque fou mandat. Ça paraît, j'utilise pas du tout. Donc, j'ai 9 points de talent. Écoutez, moi j'ai envie de mettre niveau 5 requis acquérir talent. On est d'accord, ça va me dépenser juste un talent. Hein. Ouais. Trop bien. Et ouais, moi je veux les 3. Hein. Je veux ça, ça et ça. Déjà. Je sais pas en vrai pour la magie noire. Je sais pas. Déjà, je veux un deuxième ensemble de talents, ça c'est sûr. La potion qui me soigne plus, je trouve ça pas mal. Mais vous permettre de disparaître rapidement, de réapparaître à proximité. J'ai l'impression que c'est déjà ce qui se passe en fait. Mais ça, pourquoi pas. Et en vrai, pour le reste, faudrait que... Genre, j'aimerais bien avoir votre avis. Genre, il n'y a pas de malus ou quoi si tu prends des trucs de magie noire. Parce que moi, genre, je kiffe. Moi, je veux maudire les mecs, en fait. C'est trop bien. Je suis pas sûre. Je vais attendre votre avis parce que je le sens pas. Je le sens pas. J'ai 4 points de talent encore, en vrai. On va attendre. En vrai, on va revenir dans le château, déjà. Et on va sortir de la salle. On peut sortir... Elle est magnifique, cette salle. Hein. Faut aussi juste vite fait... je sais, je suis pénible. Hein. Je suis pénible, mais genre très vite fait. Est-ce qu'on peut genre... Voilà. Parce que bon, là, sur les cinématiques, c'est-à-dire qu'à un moment, moi, je dois faire des miniatures si je ressemble à rien. C'est compliqué, voyez-vous. Ça, on s'en fout. Objet dorsal non identifié. Rendez-vous dans la salle sur demande pour découvrir la qualité de cet objet. Comment ça? What? C'est quoi ça encore? Ok. Pourquoi pas, hein? Nice, ok. On va prendre ça. Nickel. Ça me paraît pas mal. Bon, j'aimerais bien débloquer les balais, les montures et les familiers, là. Là, c'est bon. Moi, je... Elle est bien, l'histoire principale, hein. Mais donnez-moi un balai. Bonjour, je veux sortir. Ah oui, je laisse appuyer. Il est vrai. Il est vrai. On peut avoir notre premier cours, genre, de Quidditch, Soon... Parce que là, genre, je suis à ça de devenir majeure. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre? Oui, bonjour. Ah, on a un TP pour y retourner, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. On va retrouver notre ami Richard aussi, hein. Notre Richard... comment il s'appelle, déjà? Richard... Richard... Non, comment il s'appelle? J'ai tout à oublié. Richard, hein. On va le retrouver. Je pensais que ça allait être un raccourci, mais pas tant que ça. Je suis revenue à Poudlard. What? Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. Oh. J'imagine que je vais pouvoir m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre. Ah bah oui, oui, effectivement. Ok. Choukas. Pourquoi Papin? Pourquoi j'ai dit Papin? Attends, c'est pas quelqu'un qui existe, Richard Papin? Non, 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 je sais pas pourquoi je pensais à Papin. Je suis en train de Google Richard Papin. Non, il existe pas. Non, je sais vous pas d'où sort ça. Vous devez apprendre Répulsant, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma salle de classe. Avec plaisir. Avec plaisir, mais attendez. Là, en gros, j'ai fini ma quête principale. Et... On en est où des quêtes? On en est à 9% du jeu. Hein. C'est... Moi, je trouve ça incroyable. Les quêtes, c'est pas là. Les quêtes, c'est pas là, Marie. C'est quoi ça? Pièce secrète. La salle sur demande et la salle de la carte. Ah! Ok. La salle sur demande est à côté, mais on l'a pas encore découverte, donc... Oh! Oh oui! Oh oui! Le cours de vol! Oh là là! Terminé la première épreuve du gardien, de gardien, assisté au cours de vol, devoir du professeur machin. Ça, j'ai rien compris, ça. J'ai rien compris. Et ça, ce sera quand je retournerai dans ma maison, donc ça va. Ça, c'était où? C'était là? Non, c'est le cours de vol. Je sais pas ce que c'est le truc, ça m'a donné une carte et j'ai pas compris. Oh là là, notre premier cours de vol. Est-ce que je suis méchante? Je vais devoir être méchante, hein. Je vais devoir être méchante et vous dire que ce sera dans l'épisode d'après. Parce que je sens que ça va prendre un moment et tout, mais... Oh, Revelio. Revelio. Revelio.
évidemment. Je suis désolée, hein. Je sais. Ça se trouve, en plus, pendant le cours de vol, ils vont rien me dire. Ils vont faire « Ah, voilà, comment on vole sur un balai. Vous aurez le vôtre dans à peu près 3 trimestres. » Mais non, je pense que je l'aurai. J'avoue que je ne lis plus ces trucs-là. Je devrais tous les lire. Je devrais quand même faire un effort. Où est-ce qu'on est, là? Bonjour. Ok. On était dans les cachots, un truc comme ça. Trouver la carte, machin, truc. Ouais, non, mais ça, j'arriverai jamais. J'aimerais juste me repérer vite fait dans le château, mais j'y arrive pas. Hein. Là, on est dehors. Oh, c'est la nuit. Oh. Toujours la nuit depuis tout à l'heure, en fait. Mais écoutez, c'est sur ces belles images que nous allons se quitter pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour le vol, let's go, les balais, tout ça. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire pour la magie noire si ça a de l'influence ou pas. Me spoilez pas trop, allez pas trop loin ou quoi que ce soit, je demande pas de spoil. Mais juste, est-ce que si je mets des points de talent dans les trucs de magie noire, ça a de l'influence, en mode tu deviens méchant ou je sais pas quoi. Bah, j'imagine qu'il y aura des trucs qui auront de l'influence au bout d'un moment, mais est-ce que les points de talent en font partie? C'est ça ma question. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt pour l'épisode suivant. J'ai déjà perdu le compte des épisodes, je crois que celui-là c'est le 8 et l'épisode suivant ce sera le 9, je suis pas sûre, mais il me semble. Bref, merci à tous d'avoir suivi celui-ci, à bientôt, bonne soirée, bonne nuit à ceux qui dorment devant mon let's play, et je vous dis à bientôt tout le monde, bye!